Des sources de la Loire jusqu'à la pointe du Finistère, s'étend le bassin Loire-Bretagne. Il représente un tiers du territoire métropolitain et 13 millions d'habitants y vivent. Ses rivières et ses fleuves traversent 8 régions et 36 départements. L'eau est présente tout autour de nous et dans toutes nos activités. C'est pour cela qu'il faut veiller à ce que l'eau soit respectée par tous et pour tous. Alors, pour partager équitablement cette précieuse ressource, comment fait-on? Dans chaque bassin, un comité anime la concertation et fixe les grandes orientations de la gestion de l'eau. Ce Parlement de l'eau définit une feuille de route pour gérer les eaux du bassin, c'est le SDAGE. Pour mettre en œuvre ces grandes orientations, l'Agence de l'eau, établissement public de l'État, apporte aux acteurs de l'eau une vue d'ensemble des problèmes liés à la gestion de l'eau pour leur permettre d'entreprendre une politique cohérente. Pour agir, elle perçoit des redevances et redistribue des aides à ceux qui agissent pour l'eau. Elle finance les actions de protection de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques. Elle contribue à lutter contre les pollutions, à gérer les ressources en eau et à préserver les milieux aquatiques et la biodiversité. Dans le bassin Loire-Bretagne, le comité de bassin et l'agence de l'eau mettent en œuvre le SDAGE pour préserver les ressources en eau et les milieux aquatiques.